Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Pardon. Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue, bienvenue. Je vais vous laisser quelques secondes pour arriver. Je vois que vous commencez à vous connecter. Ça y est, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires pour me dire que vous êtes bien là, que tout va bien, que vous me voyez, que vous m'entendez. Ça y est, je vous vois arriver tranquillement. Bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Coucou Ticia. Salut Crapouillot. Comment allez-vous tout le monde? Bonjour Martine. Coucou Laurence. Bonjour Lucie de bon matin. Oui, coucou Cécilia. Salut ma belle Maroutine. Bonjour Pascal. Super, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à tout le monde pour ce nouveau live créatif du mercredi après-midi à 14h sur la page Harmony Scrap. Je suis Harmony Marais, je suis démonstratrice chez Stampin' Up! Depuis janvier 2020. Et comme je viens de vous le dire, chaque mercredi, nous nous retrouvons à 14h pour un live créatif. Coucou, bonjour Makati, coucou Mumu, bonjour Viviane, bonjour Marianne, Fabienne. Coucou l'autre Fabienne, speed aujourd'hui Cathy, bon courage ma belle, je pense fort à toi. Je suis très très heureuse d'accueillir tout le monde, ça faisait un petit moment. Vous me direz que la semaine dernière, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps. C'est quoi cet emoji Marianne? Bonjour Jacqueline, comment ça va? Marianne, tu me fais trop rire. Coucou Isa, bonjour Sandrine. Alors, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en forme? Je sais qu'il y en a qui reviennent de vacances, il y en a qui vont partir bientôt. Dites-moi, dites-moi comment vous allez. Bonjour Annie. Super. Je vois que vous arrivez tranquillement, c'est top. J'espère que vous avez beau temps. Je pense qu'il va y avoir un petit peu moins de monde aujourd'hui. Et à la limite, c'est pas plus mal. Ça veut dire que vous êtes parti, que vous êtes bien occupé. Bon, ou alors que vous travaillez, ça c'est moins cool. Mais en tout cas, je vous envoie plein plein de courage pour cet après-midi si vous travaillez. Coucou tonton, bonjour Kikiren. Merci tonton. Donc plein de courage à tous ceux qui sont en train de travailler. Je pense fort à vous. Merci à vous qui êtes présents aujourd'hui. Si vous venez pour la première fois, que vous nous retrouvez pour la première fois, eh bien n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Bonjour Chantal. Tombé en panne de voiture. Oh ma Cathy, non, pas cool. Fabienne en attente des vacances. Oui, moi aussi. Muriel, la première fois, bah, bienvenue. J'espère que vous passerez un bon moment. Cathy qui fait coucou à mon tonton, c'est trop mignon. Bonjour Françoise. Oui, moi aussi, j'attends les vacances, vous le savez, je pars samedi, coucou Odile. Je pars samedi pour une petite semaine, coucou Choupa. Chut, faut pas faire de bruit Choupa, j'espère que le son est bien coupé, hein. Coucou Yvette. Donc oui, je pars pour une toute petite semaine samedi. Pas de live tout à fait en direct mercredi prochain, c'est une vidéo qui sera enregistrée. Mais le principe sera exactement le même. Vous allez avoir la vidéo qui va apparaître sur ma page dès 14h. Et puis comme à chaque fois, vous aurez tout le matériel après, bien sûr, la fiche technique, les photos, les produits utilisés. Donc pas d'inquiétude, je ne vous abandonne pas complètement. Et puis mercredi, mardi 3, avec l'ouverture des commandes du nouveau catalogue. Bien sûr, je serai devant mon ordi pour pouvoir passer vos commandes, donc pas de problème. Bonjour Marie-Jo, coucou Céline, coucou Laurence, hello Elsa, je suis désolée si je vous rate au fur et à mesure, vu que je papote, parfois je vous reçois des commentaires. Tonton Harmonie, il fait du scrap. Ah non, pas du tout, c'est pas son truc, à tonton. C'est pas trop son délire. Quoique, peut-être qu'un jour j'arriverai à lui faire tester, hein, pourquoi pas? Va savoir. Bonjour Marie-Hélène. Oui, merci Martine, j'ai besoin de repos. J'ai besoin vraiment, 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 vraiment de repos. Ça va me faire du bien d'aller me faire des petites randonnées en montagne et de changer un petit peu d'air, je ne vous le cache pas. Voilà, mais vous voyez, je suis quand même là aujourd'hui, présente et ravie de vous retrouver.
Oui, je sais, ma mumu, t'es mignonne. Non, Drindrin n'est pas là cet après-midi. Coucou, ça va ma belle? Défiancée pour tonton? Oui, pourquoi pas? Je vais y penser, je vais lui proposer. Je suis sûre qu'il va être ravi. C'est certain. Alors, aujourd'hui, petite info, et puis après on va démarrer notre live. Vous allez voir, le projet est très 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 simple à réaliser. Un petit peu différent, puisque vous avez vu, ce n'est pas une carte cette fois. Ça change un petit peu, mais j'aime bien ce genre de petit projet aussi, tout simple, rapide, qui peut nous servir pour faire un petit cadeau, ou simplement pour nous. Voilà, les petits post-it qui ne sont pas toujours très très beaux, du coup, on leur fait un bel écrin, et nous, c'est sympa, on aime bien les utiliser comme ça. Crapouillot, il est dans le coin, il était là aujourd'hui. On peut parrainer tonton? Bah ouais, pourquoi pas les filles. Tonton, je sais pas si t'es toujours là, mais du coup, t'as vu, t'as des appels du pied, hein? Oh bah crapouillot, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour Laetitia, coucou Béatrice. Qu'est-ce qui lui arrive à crapouillot aujourd'hui? Bah alors? Alors, petit rappel, je viens de vous dire il y a quelques minutes, les débuts, les commandes pour vous, dans le mini-catalogue, démarre mardi 3 août. Donc, comme d'habitude, vous avez accès à ma boutique en ligne. Pour les plus réfractaires, vous pouvez m'envoyer votre commande. Mais alors, si vous pouvez le faire avant samedi, comme ça, je peux l'avoir sous la main. Et je passerai donc les commandes mardi 3 août. Coucou Isabelle avec le soleil. Ah, c'est super! Crapouillot, une angine. Bah alors, quelle idée, voyons une angine en habitant dans le sud. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon bah prends soin de toi. Hein. T'as dormi sans les chaussettes. Bah tiens. Donc, pour ce qui est des commandes, vous le savez, j'ai mis en place à nouveau les mini kits de papier design. Des papiers qui sont juste plus beaux les uns que les autres. Vous allez voir. Je vous ai préparé un petit diaporama rapide sur les papiers design, c'est vraiment trop trop beau. Voilà, donc vous retrouverez toutes les infos pour ces mini kits échantillons de papier design et aussi papier spécialité et papier uni si vous voulez. Vous trouverez ça donc dans le lien qui est au-dessus de la vidéo avec toutes les infos. Vous avez le détail des produits. Vous avez les tarifs, vous avez les différents lots que je vous propose, les frais de port, voilà. Vous avez vraiment toutes les infos pour ça. Et puis n'oubliez pas que ça sera aussi le démarrage de la Celebration numéro 2. Donc ça veut dire plein de cadeaux offerts dès 60 euros d'achat. Ils sont trop choux, trop mignons. Et puis en plus cette année, vous allez voir, on a des poinçons qui sont offerts toujours dès 60 euros. Coordonnées à un set de tampons offert lui aussi. On a des super papiers design en format 30-30. Enfin bon, vous allez être super gâtés, c'est vraiment le top. Et puis c'est aussi une bonne période pour devenir démonstratrice ou démonstrateur. Donc si vous avez envie de, pourquoi pas, rejoindre mon équipe, eh bien je vous répondrai évidemment à toutes vos questions sans aucun problème, en sachant que Stampin' Up, en plus, vous offre parmi une sélection de produits, vous verrez ça à la page 19 de la brochure Celebration, lot tampon poinçon ou tampon perfo qui vous sera offert. Donc ça fait quand même de sacrés cadeaux pour pouvoir assouvir notre passion et ça c'est vraiment génial. On va passer un super mois d'août et un super mois de septembre, c'est vraiment le top. Coucou Muriel, bonjour Fatou, comment ça va les filles? Donc voilà, tout ça pour se faire plaisir, pour se faire du bien, pour scraper avec des produits coordonnés, ça c'est vraiment le top. Donc feuilletez vos catalogues, feuilletez vos brochures, et puis dès le 3 août, vous aurez bien sûr les versions numériques sur mon blog, ne vous inquiétez pas. Bonjour Marion, bienvenue, j'espère que vous passerez un bon moment. Alors, on y va. Je vais du coup retourner, basculer sur la seconde caméra, mais je suis toujours là. Coucou en bas. Là, hop, je suis là, ici. Et on va pouvoir démarrer donc ce projet. Vous allez voir,
très très simple. Je suis sûre que même avec des enfants, vous pourrez le réaliser. Fatou, je suis contente que tu ailles bien. Coucou Laurence, comment es-tu ma belle? Je vous ai d'ores et déjà indiqué les mesures pour celles et ceux qui n'auraient pas eu le temps de préparer les papiers en avance. Il ne vous en faut pas beaucoup, ne vous inquiétez pas. Et si jamais vous n'avez pas la patience ou le temps de préparer tout ça maintenant, pas d'inquiétude, à la fin du live, vous retrouverez sur mon blog. Ah, une démo, super Marion! Super. Vous retrouverez donc sur mon blog la fiche technique, le replay, la liste des produits que j'ai utilisés pour la réalisation de ce projet. Donc, pas d'inquiétude, vous pourrez le faire après sans aucun problème. Ça y est, c'est reparti pour un tour. Bon. Alors, oui, c'est juste encore les commentaires là, à la noix, ça m'agace, mais je sais qu'il y en a qui veillent avec moi et qui vont pouvoir me bloquer tout ça. Bien, donc voilà, vous avez ce fameux porte-post-it. J'ai réussi à trouver des petits crayons qui sont à peu près coordonnés à tout ça. Donc, je vous l'approche un petit peu plus. J'ai utilisé, bien sûr, nos magnifiques papillons Butterfly Brilliance avec nos magnifiques découpes. Coucou Mathias, ça me fait plaisir que tu sois là. Les magnifiques papillons, la découpe ici, j'ai encore oublié le nom, mais c'est pas grave, ça va me revenir. De toute façon, je vous l'ai dit, vous avez toute la liste du matériel sur mon blog. Voilà, donc vraiment très très simple, vous voyez, hop, tout bête, on peut vraiment s'éclater avec la déco de ce porte-post-it. Vraiment très sympa, et puis du coup, on a la petite encoche pour pouvoir faire tenir le petit crayon. Donc vraiment trop sympa. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. On va avoir deux plis à faire. Voilà, une petite, enfin deux petites découpes ici. Et puis, ça sera réglé. Après, on pourra s'amuser avec la déco. Donc, vraiment trop sympa. Oui, Majesse, ça, je veux bien croire, ma belle. Je pense fort, fort à toi. Donc, voilà, vous allez pouvoir vous éclater avec la création de ces petits porte-post-it. Très très facile à réaliser et je vous dis, je pense que les enfants peuvent tout à fait vous accompagner pour réaliser cette petite création. Oui, crayon assorti, madame. C'était pas du hasard et pas complètement. Je me suis dit que ça serait bien quand même. J'ai réussi à les trouver par hasard quand même. Donc j'ai pu adapter tout ceci. Voilà, voilà. Alors, c'est parti, on va démarrer, vous avez vu à l'écran ici, donc toutes les mesures, très très peu de papier, vous voyez, vraiment très très peu. Aujourd'hui, je vais travailler avec une superbe collection, je ne vous ai pas encore présentée, mais que vous connaissez déjà, hein, pour ceux et celles qui suivaient Stampin' Up, c'est la collection Plantes épanouies. Merci Isa, c'est gentil. Merci ma Cathy. Alors, vous avez à l'image tout de suite, là, les papiers design. Oui, ça peut être ça aussi, Mumu. Ça peut être ça. En fait, je cherchais des crayons qui étaient encore plus petits que ça, mais je n'ai pas réussi à les trouver. Mais ceux-là vont aussi très bien, donc pas de problème. Donc, les papiers design, vraiment, ils sont très très sympas, ces papiers. Très pratiques aussi. La présentation comme d'habitude, vous voyez, recto, verso, merci ma Laurence. À chaque fois, recto, verso, il fonctionne en deux par deux. Merci Cathy, t'es mignonne ma belle. Hop, et vous avez en dessous les papiers unis assortis donc à cette collection. Oh, dans les supermarchés Martine, t'inquiète pas. Hein. Cidre à la cannelle, épinette enivrante. Gris granit, juste jade, ocre roussillon et vert jardin. Ce sont les principales couleurs unies de cette collection. Merci Marion, c'est gentil. Voilà, vous avez vraiment tout le détail. Et bien sûr, quand on parle de collection, vous le savez. Attention. Il y en a des gratos chez Ikea. Je vais trop rire.
Nous avons aussi les tampons et les poinçons. Donc pareil, je vous ai fait la présentation ici. Coucou Hélène. Alors, je vous les approche. Ici, c'est tamponné et ici, c'est la découpe. Attention, vous voyez, hop, je l'ai collé. Pas de problème, Elsa, t'inquiète pas. Bon courage, Laurence. Coucou Isabelle. Ici également, tamponné directement donc sur mon papier. Ici, une découpe, donc c'est une découpe contour. Également, même principe, ici, je vous ai fait le tamponnage. Et ici, vous savez que vous avez le poinçon. Hop, découpe autour. Merci Geneviève, c'est trop gentil. Idem ici, le tamponnage avec la découpe contour. Même principe ici, le tamponnage et la découpe, pareil ici et ici. Donc vraiment, vous voyez, on a énormément de choix par rapport à ces poinçons. Les sentiments, vous le voyez, sont en français et ils sont la police d'écriture est vraiment très très sympa, je trouve. Elle est vraiment très belle, vraiment beaucoup beaucoup, vous avez vu. Et puis on a d'autres découpes qui sont vraiment trop belles, vous avez vu, les pots pour les fleurs, pour les plantes, tout ça, ce sont des découpes au poinçon. Puis, on a celle-ci aussi. Marion, il n'y a pas de souci. Bon courage pour le télétravail. Donc voilà, c'est vraiment une collection qui est très très complète. Vous le savez, hein, y a toujours moins 10% quand vous les achetez en lot. Donc là, 57,50 pour les tampons et les poinçons. Donc vraiment très très joli. De quoi se faire plaisir. Allez, trêve de papotage, nous attaquons maintenant la création de notre porte-post-it. Je prends mon coupe-papier. Hop, voilà. Je vous remets ici, donc, les mesures. Je vous ai mis en dernière ligne les plis. Vous avez vu, il n'y en a que 3 à faire. Donc, ça devrait aller. Mumu, je te rassure, moi non plus. J'ai pas du tout la main verte. Les fleurs meurent vitesse grand V avec moi. C'est une catastrophe. C'est une horreur. Alors. Ah, Marotine, tu reviens, c'est bon. Ah, Danielle, oui, elle est belle. Hein. Elle est très très belle. Alors, je vous propose qu'on y aille. C'est bon, vous avez votre papier, votre coupe-papier pour faire vos plis. Eh bien, c'est parti. Ah non, celle-là risque rien. Hein. Les plantes du papier, là, on est tranquille. Aucun problème. Ça va être nickel. Je prends mon morceau de papier uni qui mesure 19 par 8,5. Oui, Isabelle, pas de souci. C'est un porte-post-it dans lequel on crée une encoche pour faire tenir notre crayon. Voilà, et on fait simplement. On rentre simplement notre petit bloc de post-it, voilà. Quelque chose de très très simple, pratique, et puis ça cache un peu les post-it qui sont pas toujours très très beaux. Voilà. C'est bon, Isa? Ok, donc sur mon papier qui mesure 19 par 8,5, je positionne mon papier, donc le bord le plus long, en haut, et je commence mes plis, le premier étant à 8 cm. Le second à 9, merci Isabelle. Le second à 9 et le troisième et dernier à 10. Oui Mumu. Oui Cathy prend le relais de Sandrine, merci beaucoup ma belle. Voilà, on a fait les 3 plis, hop, 1, 2, 3, 8, 9 et 10 cm, tout simplement. Ok? Bon, j'ai envie de vous dire, on a fait le plus gros. Hein. Hop, je mets ça de côté puisque je n'en ai plus besoin pour l'instant. Et là, en fait, ce que nous allons faire, c'est donc faire notre découpe pour l'encoche donc du crayon. Ok,
Donc, comme d'habitude, on prend notre petit crayon, on se prépare la gomme, la règle, la paire de ciseaux et le tour sera joué. Ok, jusque-là, encore une fois, ce n'est pas compliqué. Donc, vous avez vu, on a fait 3 plis. Donc, je vais tout de suite venir plier le pli du centre, celui de 9 cm. D'accord ? Donc, je marque mon pli. Voilà. Et en fait, pour faire cette fameuse petite encoche, tout ce qu'il y a à faire, c'est de venir faire deux petites marques à 3 cm depuis le bord gauche vers le centre, depuis le bord droit vers le centre. 3 cm à chaque fois. Donc je positionne hop, comme ceci et je viens faire une petite marque à 3 cm et je fais pareil de l'autre côté, donc depuis la droite vers le centre, hop, 3 cm. Voilà. Et là où j'ai fait ces petites marques, en fait, je vais venir découper en m'arrêtant bien sûr à ma ligne de pli qui est au-dessus. Ok ? Donc, est-ce que vous allez bien voir mes deux petites marques là ? Vous allez les apercevoir ou pas ? C'est un petit peu flou. Donc, j'ai fait mes petites marques ici à 3 cm et ici aussi. Et tout simplement, je viens découper en fait en m'arrêtant bien à la ligne de pli. Voilà. Voilà. Maintenant, je viens hop, marquer mes plis précédents. Juste pour leur donner hop, la bonne forme. C'est maîtresse Cathy la remplaçante. Oui, c'est pas mal. Ça lui va bien, je trouve. Voilà. Ok, donc là, ça y est, on a créé notre encoche. Comme ça, vous voyez, le crayon va pouvoir entrer dedans. Non, Mumu, à mon grand désespoir, n'est-ce pas? Ok. Hop. Donc, ensuite, tout simplement, on lui donne bien la forme. Voilà. Ça va venir comme ceci. Donc, on va avoir notre encoche. On va avoir notre encoche ici qui va nous permettre donc de rentrer notre crayon à l'extérieur. Ok. Et en fait, il va nous suffire maintenant simplement de venir coller une partie et faire notre déco. Et la partie que l'on va coller, je vais vous la dessiner ici, c'est ici et là. Décidément, ça ne veut pas. Si je mets mon crayon là, est-ce que ça va bien vouloir le faire? C'est quand même dingue. Hein, bon, je pense que vous avez compris. Donc, la petite bande ici en haut et celle du bas, on va venir les coller sur la partie de droite. Ça sera la partie la plus longue en fait. D'accord ? Ok ? Donc ça viendra comme ça. Ça sera collé ici pour laisser sortir l'encoche. Oui, c'est normal que tu aies un côté plus long, Claude. Tu vas voir quand tu vas coller en fait ici, crapouillot. Hop, tu vas avoir un décrochement. Et du coup, après, ça va venir ici correctement. D'accord ? Avant de coller cette partie, moi je préfère toujours faire ma déco avant parce que du coup ça sera possible de mettre bien à plat. Pour moi c'est plus facile de décorer. Donc vous l'aurez compris cette fois,
Eh bien, je vais partir dans les tombes vertes puisque je travaille avec plantes épanouies. Donc, j'ai préparé mes petites décos. T'inquiète, t'inquiète, crapouilleux, il n'y a pas de souci. Mon morceau de papier uni qui va me servir de matage. Bonjour Chantal, comment ça va? Ici, bien sûr, vous l'aurez reconnu, épinette enivrant. C'est une des nouvelles Incolor. Voilà, je vais venir mettre ici. J'ai bien sûr découpé un morceau de papier design. Ici, je vous rappelle les mesures. Le matage, 8 par 7,5 et le papier design, 7,5 par 7. Tout simplement. Qui va venir se mettre ici? Je suis un petit peu basse, excusez-moi. Hop. Oui, ça permet de bien tenir, je suis d'accord, Ticia. Tu vas voir, le crayon ne bouge pas. Bonjour Jean-Luc et Chantal, comment allez-vous? Ça fait longtemps que je vous ai vu. Ici, j'ai utilisé une partie des découpes au laser. Si vous allez voir dans le coin des bonnes affaires sur la boutique, vous les trouverez. C'est vraiment des découpes qui sont telles quelles, qui sont dans des grands formats. Vous avez plusieurs modèles et c'est vraiment magnifique comme découpe. Vous avez vu comme c'est beau. Et du coup, je vais m'en servir, hop, pour venir décorer ici tout ça. Vous avez vu comme c'est trop joli, j'adore. Hop, ici, eh bien, je vais me faire plaisir. J'ai découpé, ah oui, petite info que je ne vous ai pas dit, dans le papier design des plantes épanouies, vous avez des petits pots comme ça dans vos fleurs, dans vos feuilles. Eh bien, vos poinçons s'adaptent aussi. C'est en anglais, Elsa. En français, c'est PSD et en anglais, c'est DSP. Donc, vous pouvez découper, voilà, les pots de fleurs avec vos poinçons. Mais vous avez aussi des feuillages, par exemple, que vous pouvez directement découper dans vos papiers design si vous n'avez pas le temps de faire les tamponnages. Donc, ça, c'est super pratique aussi. Comme pour les pensées, Ticia, exactement, t'as tout compris. Voilà, et du coup, là, cette fois, j'ai tamponné donc les petites feuilles en riche raisin et en soyeuse succulente en 2 étapes. Et je vais venir donc décorer tout ça. Hop. Comme ceci. Vous avez vu comme c'est simple? J'ai également préparé ma petite étiquette avec un petit sentiment, donc, qui fait partie du set, une petite note. J'ai juste tamponné la première partie du message. Si vous vous souvenez bien, hop, regardez. Ici, c'est un tampon qui est avec toute cette petite phrase. Et moi, je me suis contentée de tamponner simplement la première partie de ce message. Je trouvais que ça correspondait bien avec les petits post-it, n'est-ce pas? Voilà, donc ça va venir comme ceci. Voilà. Alors, c'est parti. Bah, du coup, il n'y a plus qu'à coller. Vous voyez, c'est vraiment hyper simple. Et vous pouvez vous éclater avec n'importe quelle collection. Vraiment, il y a vraiment, vraiment de quoi faire. N'importe quel thème. Et ça, j'aime beaucoup. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous trouvez ça sympa? Dites-moi pendant que je colle tout ça. Ce que vous en pensez. Alors, vous voyez, quelque chose de très très simple, très pratique, qui nous permet d'avoir nos petits post-it sous la main, toujours avec le crayon. Et puis, c'est quand même drôlement plus joli, hein. Hello Nati, comment ça va ma belle? Est-ce que tu es en forme? Ticia, ça te plaît aussi? Super. Merci beaucoup, car j'ai des petits cadeaux à faire pour dimanche. Céline, c'est parfait, je suis ravie d'avoir pu t'aider. Hop, je viens coller tout ça. Puis alors, ces découpes là au laser, moi je trouve ça, je m'en sers pas assez, parce qu'en plus, elles sont vraiment magnifiques. Et en plus, je crois qu'elles sont à prix réduit en ce moment. Hop. Voilà. C'est super simple, Muriel. Ouais, t'as vu, hein, c'est top, hein.
Vraiment, on peut faire quelque chose de super joli avec quelque chose de très très simple. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà. Ce serait bien si elles étaient pré-encollées. Ouais, c'est sûr. Dans le coin des bonnes affaires, Elsa. Pascal avec tes élèves. Ah, chouette, ça me fait plaisir. Super, ils vont avoir un méga projet pour la rentrée, c'est super. Puis du coup, là, c'est facile, hein, c'est largement accessible au CM2. Hein. Là, t'es sûr que ça va cartonner. Allez, je viens mettre un petit peu deux dimensionnel ici. Je me suis encore mis de la colle plein les doigts. Très fragile à manipuler. Oui, c'est sûr que c'est les découpes au laser sont vraiment très très fines. Mais sincèrement, ça en vaut la peine parce que ça donne un rendu à, comment dirais-je, à nos projets, en fait, qui est juste extraordinaire. Exactement, Pascal, sans trop de matériel en plus, donc c'est vraiment top. Ça peut être adapté en plus à des fêtes ou à n'importe quelle saison, donc c'est vraiment super sympa. Vraiment, c'est des petits projets tout simples et hyper pratiques. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce genre de choses. Je vais venir coller mes petites plantes. Je vais juste revoir un petit peu comment je les positionne. Je vais mettre la foncée derrière et la claire un petit peu plus devant. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Hop, une petite superposition. Voilà, ça. Comme ça me paraît pas mal. Oui, c'est découpe au laser, mais regardez sur le coin des bonnes affaires dans sur la boutique en ligne, vous les trouverez. Pardon. Excusez-moi. Voilà, et je vais remettre ici. Dimensionnel là, voilà, pour donner un petit peu de hauteur à tout ça. La maligne, j'ai pas enlevé les caches. Ah, joyeux anniversaire, Nati! Mumu, oui, avec le porte-bloc-notes, c'est nickel. J'avais pas vu. Joyeux anniversaire, ma belle. J'espère que t'as été gâtée aujourd'hui. Ou que tu vas l'être. Et je vais finir par mon petit sentiment, bien sûr. Voilà. Je vais mettre un petit peu, voilà, ici. Si j'ai toujours autant de colle sur les doigts, c'est magnifique. C'est top. Voilà. L'essentiel de la déco, ça sera bon. Voilà. Donc la déco, c'est OK. Maintenant, je viens coller ici. La petite partie là dont je parlais tout à l'heure pour assurer plus de maintien au crayon. Voilà. Nickel. Alors, pour découper comment dirais-je, mon étiquette, je me suis amusée en fait avec la perforatrice étiquette du quotidien. Alors, bouge pas, je vais la chercher.
Voilà, c'est celle-là. Et en fait, j'ai simplement déplacé mon papier, comme je vous ai déjà montré. Il suffit simplement de jouer avec, à rentrer le papier et puis à se servir simplement d'un bout, d'un autre, ou juste de la coche ici. Voilà, on s'amuse. J'ai vraiment fait un truc au hasard, au feeling. Donc, c'est la perfo étiquette du quotidien qui nous permet de faire plein de choses. Et du coup, de cette grande-là, j'ai obtenu donc celle-là. Tout simple. Voilà. Ok, maintenant ça c'est bon. Donc, tout simplement, maintenant il me reste à venir coller hop, mes post-it ici. J'essaye de centrer à peu près. Double face ou colle. Là on peut y aller avec la colle sans trop d'inquiétude. Hein. Voilà, je viens coller l'arrière. Voilà, tac tac. En essayant de centrer. Voilà. Et puis, évidemment, bien sûr, c'est ça. Mumu, j'adore. Eh bien, il est vert, bien sûr. Quelle question! Voilà, voilà. Ça y est, le porte-post-it, eh bien, il est terminé. C'est fini. Comme quoi, vous voyez à quel point c'était simple et rapide. Et du coup, vous pouvez vous éclater avec votre déco. Vraiment, vous faire plaisir. Ça peut être sur n'importe quel thème. Ça peut être pour des anniversaires. Ça peut être pour des enfants. C'est vraiment les projets comme ça, hyper simples, hyper rapides. Accessible à tous, on en a tous besoin, donc j'adore. Donc là, voilà, vous avez, hop, je vais vous décaler ça, les deux versions, donc des portes post-it, tout simple, vous avez vu? C'est vraiment tout bête comme projet, mais j'adore. Voilà, c'est super simple. Ça vous plaît? Vous trouvez ça joli? Vous avez la version jaune, la version verte. J'ai hâte de vous présenter vendredi la version 3. Ben, je vous laisserai découvrir la surprise. Hein pour les petits marchés de Noël qui vont arriver. Ouais, aussi, Ticia, bonne idée, ouais. Ouais, ouais. Merci, Jess. Merci, Cécilia. Voilà, vous voyez, très simple, avec peu de matériel, finalement. On peut vraiment faire des projets super sympas. Et adaptable à plein d'occasions, donc c'est vraiment super. Merci Muriel. Et bien voilà, c'est ce qui oups, pardon, excusez-moi, c'est ce qui s'appelle un projet simple et rapide. Je suis contente, ça a l'air de vous plaire. Je vois plein de petits cœurs partout dans les commentaires, ça fait super plaisir. Je vous remercie vraiment beaucoup. C'est que ça veut dire que a priori ça vous a plu. Donc moi, c'est parfait, je suis comblée. C'est tout ce que je demande, que vous passiez un bon moment et que vous ayez des projets qui vous plaisent. Merci Pascal. Merci Fatou, c'est gentil. Merci ma Fabienne. Merci Marianne. Oui, Mumu, le vert. Et donc la version 3, ah bah ça sera une surprise, vous la découvrirez vendredi. Et oui, je ne dis pas avant. Je vous invite bien sûr hein, à la fin du live à aller donc d'ici quelques minutes. Sur mon blog pour récupérer la fiche technique, la liste de tous les produits que j'ai utilisés. Si vous êtes malin et maligne, la liste des produits, ça vous laissera peut-être deviner la troisième version. Moi, je dis ça pour les plus curieux. Et puis, donc, dans le lien de la vidéo, rappelez-vous, vous avez le lien vers l'article qui vous donne toutes les infos pour les échantillons de papier design du mini-catalogue. Août-décembre, dans lequel vous pourrez commander dès le 3 août, mardi 3 août. Voilà. Si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre, que ce soit pour les échantillons, pour les futures commandes, ou pour devenir démonstratrice, eh bien n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà.
Eh bien écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente après-midi, de bonnes vacances, bon courage pour celles et ceux qui continuent à travailler. Je suis de tout cœur avec vous. En attendant, continuez à prendre soin de vous, c'est important. Ok? Et puis, je ne disparais pas totalement, je vous ferai des petits coucous quand même. Et n'oubliez pas que voilà, j'ai quand même préparé quelque chose pour vous mercredi prochain. Donc, donnez-vous rendez-vous quand même à 14h. Si vous voulez même le regarder tous ensemble, vous pourrez commenter en même temps la vidéo. Ça vous permettra de vous retrouver quand même. Et puis, j'essaierai de vous faire un petit coucou à ce moment-là, si j'arrive à capter et selon le programme. Mais je fais pas trop de projets pour la semaine prochaine. Je vais essayer d'en profiter un petit peu. Ok, ça marche? Elsa, merci. J'espère que tu vas t'éclater à le faire en tout cas. Plus qu'à acheter les post-it et les petits crayons. Bah ouais, c'est ça. Nati, ma belle, profite bien de ta journée. Je te souhaite à nouveau un très joyeux anniversaire. Je vous fais un gros gros bisou à tous et à toutes. Prenez soin de vous. Et puis, oui, Madja, je lui dis promis. Et puis, on se retrouve très très vite pour plein de nouvelles aventures. Je vous embrasse. Merci à tous. Ciao !